L'Éternel Dieu est bon. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Dans sa gloire éternelle, il veut restaurer ta façon d'agir. Ta façon de rester dans sa demeure. Dieu veut que tu sois à chaque instant branché à lui. Et puisque il t'a enlevé le péché, il a oublié ton péché, il t'a sanctifié, il t'a justifié, l'Éternel Dieu veut te voir foncer encore vers le but principal, demeurer dans sa gloire. C'est pour cela qu'il dit, il va mettre ses yeux sur ceux qui vont rester fidèles. Fidèles à qui? Pas à moi, mais fidèles à sa parole. Alors, je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes ici dans votre chaîne de télévision Mukulu TV et nous voulons lire ensemble avec vous. N'oubliez pas que nous sommes en période de confinement. Sur le confinement, s'est ajouté encore les vacances parce que les enfants sont en vacances. Et si vous entendez des cris partout, ne nous tenez pas rigueur. Alors, j'aimerais lire avec vous le livre de David, les psaumes de David. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'un des psaumes qui a été repris dans le chapitre 101. Après, nous allons lire Romains, chapitre 6, verset 21, 22 et 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je chanterai la bonté de la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Je hais la conduite de pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloigne de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. Alléluia. Celui qui a des regards hautains. Et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Alors, verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils marchent, pour qu'ils demeurent dans ma maison, devant moi. Pour qu'il soit fidèle à mes commandements.
Alléluia. J'aurai les yeux. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Pourquoi? Parce que les fidèles du pays, ils ne peuvent pas calomnier leur pays. Ils ne peuvent pas insulter leur pays. Ils ne peuvent pas trahir leur pays. Alléluia. Les fidèles du pays, ils ne peuvent pas faire des choses qui vont à l'encontre de la politique de leur pays. Et Dieu compare ses fidèles à lui, à ses fidèles du pays, pour que nous puissions bien comprendre la logique de Dieu. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, j'aurai mes yeux. Rappelez-vous, on avait lu 2 Chroniques 7, 14 qui parlait, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, alléluia, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il cherche ma face du haut des cieux, moi je guérirai son pays. Et j'aurai mes yeux, il dit désormais, adverbe, il dit désormais, j'aurai mes yeux et mes oreilles sur sa prière. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de famille. À un moment donné, le pays devient la famille. À un moment donné, le pays devient sa demeure, son milieu, son paramètre. À un moment donné, le pays devient la demeure de Dieu. Et ici, il dit au verset 6, « Celui qui marche dans une voie intègre. » Vous vous rappelez quand il a parlé avec Satan, il lui a dit « J'ai un homme intègre. Je n'ai pas beaucoup de gens intègres. Je n'ai pas beaucoup de personnes intègres. » Il lui a dit « J'ai un homme intègre sur terre. » Et ici, il parle à travers David. Il dit « Celui qui marche sur la voie intègre sera mon serviteur. » Dieu ne choisit pas des gens au hasard. Dieu ne choisit pas des gens comme nous. Dieu ne choisit pas des gens qui peuvent rester dans sa maison comme on le fait lors des élections municipales ou législatives. C'est notre candidat. Non, Dieu choisit les hommes selon sa volonté. Et surtout, ceux qui ont marché selon sa volonté. Ceux qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Treizième enseignement sur Mukulu TV. Treizième enseignement sur les 31 enseignements que nous allons voir ensemble ici. Dieu veut restaurer tes yeux. Parce qu'il veut que tu demeures. Dieu veut restaurer ta façon de marcher avec lui. Nous avons vu que Néhémie était bien. Mais c'est à partir de l'apparence que le roi n'a pas compris. Que le roi a compris, pardon, que ce garçon a un problème. Néhémie chapitre 2. Alléluia. C'est à partir de là. Je t'ai toujours vu ici. Tu m'as toujours servi avec joie et honneur. Mais je constate que tu n'as pas une bonne mine. Tu n'as pas une bonne humeur. Tu n'as pas une bonne apparence. J'ai constaté. J'ai juste constaté.
C'est moi, hein? Ce sont mes analyses. Hein? Alors le garçon, il va lui dire, c'est vrai, parce que j'ai une mauvaise nouvelle de mon pays. Vous voyez? Ici, Néhémie parle de son pays. Et David aussi parle de son pays. Et Dieu lui-même parle aussi de son pays. Dieu veut restaurer ton pays. Il veut te donner l'amour de ton pays. Vous voyez? On a toujours entendu. On vend. Tote kamboko yo toka bolambongo. Tote kato bape sanga yanga par na kende. Mais là où tu vas partir, d'où tu veux partir là, c'est aussi dans un pays. Alors, au lieu de partir, prendre la part et puis partir, reste chez toi et fais de façon que tu développes chez toi. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que celui qui marche selon sur la voie intègre sera mon serviteur. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui ne bougent pas, des hommes et des femmes naïfs, des hommes et des femmes toute la journée ne font qu'insulter, ne font que trahir, ne font... Non, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui l'adorent. Et qui l'adorent de tout leur cœur. Parce qu'il les a sanctifiés. Alléluia. Parce qu'il les a sanctifiés. Tout est sanctifié par la parole de l'Éternel. S'adressant aux Romains, Dieu parle à travers son serviteur Paul. Et il dit, Romains chapitre 6, verset 21. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, voyez, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes mis à marcher selon vous. Vous vous êtes conduit selon votre volonté. Maintenant, vous êtes devenu esclave de l'Éternel. En pratiquant le mal, vous êtes le responsable de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Dieu n'a pas à prendre part dans votre corps. Parce que c'est vous-même qui décidez. Maintenant que vous avez connu Christ, maintenant que Jésus-Christ est votre sauveur et Seigneur, vous êtes maintenant des esclaves de Dieu. Et pour ceux qui vont rester dans la maison, Dieu va faire de sorte qu'ils soient des serviteurs. Mais quelle sorte de serviteurs? Des serviteurs qui marchent sur la voie intègre. Ils ne se plaignent de rien. Ils ne débauchent pas. Ils n'insultent pas. Ils ne volent pas. Ils ne violent pas. Ils ne trahissent pas leur pays.
ils n'insultent pas leur pays, ils ne dénigrent pas leur pays. La liste est longue. Dieu a besoin de ta présence dans sa maison. C'est pour cela qu'il restaure tes yeux. Il restaure ta façon de voir. Il veut mettre ses yeux sur toi et toi seul. Pourquoi? Parce que tu es devenu esclave de sa parole. Tu es devenu esclave de sa vie. Tu n'es plus pécheur. Maintenant, il t'a justifié. Et il a fait de toi un serviteur. Pourquoi? Pour que tu l'adores. 13e enseignement pour la gloire de l'Éternel. Vous êtes sur Mukulu TV et nous ne cesserons pas de le dire si longtemps que vous n'avez pas encore, tu n'as pas encore fait ton abonnement. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ensemble, nous serons nombreux et nous allons bénir et adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons Dieu pour ta présence et nous voulons qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Marche sur la voie intègre. Reste fidèle à Dieu. Et l'Éternel fera de toi son serviteur. Néhémie était serviteur du roi. Mais lorsqu'il a demandé, lorsqu'il a pris l'enveloppe et il partait pour Israël, pour la reconstruction d'Israël, Dieu a fait de lui un serviteur. Et malgré les Tobija et les Sambala qui venaient pour le décourager, vous savez, quand vous commencez un projet, il y a toujours Sambala, il y a toujours Tobija pour te dire, ah, le climat là, 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 ça ne va pas marcher avec ce que tu fais. Ah, tu vois, quand tu commences par là et que tu vas par là, ça ne va pas marcher. Ah, tu vois, moi j'ai commencé, ça n'a pas tenu. Ah, l'autre, il y a toujours des épines sur ton chemin. Il faut savoir marcher. Alléluia. Il faut savoir marcher pour ne pas sentir les épines qui sont sur ton sentier. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Toi qui viens de nous croiser sur le chemin, nous sommes sur les 31 leçons. Aujourd'hui, nous parlons de la restauration des yeux. Alléluia. Dieu veut que tu voies clair. Il est là pour te mettre le produit collir sur tes yeux afin que tu voies clair. Le sentier sur lequel tu as accepté de marcher est trop nuagé, est trop épiné. Alors, il faut que tu aies Dieu. Il faut que tu sois déterminé. Malgré les problèmes, il faut que tu te dises que non, j'ai déjà dit non. Alléluia. Malgré la faim, malgré la misère, il faut que tu te dises que j'ai déjà dit non, je ne peux plus voler. Parce qu'il y a faim et faim. Alléluia. Il y a faim et faim. Tu dis, oh non, maintenant, je ne peux rien dire. Dieu même voit. Je vais juste prendre ça et je dirai, non, frère, marche sur le sentier intègre parce que Dieu veut te voir dans sa demeure. Un bon serviteur. Que la gloire de l'Éternel, que la puissance du Dieu tout haut, les dieux très hauts soient sur toi pour que tu saches demeurer dans sa demeure. Ce n'est pas facile, mais il faut déjà commencer. Puisque tu as déjà dit non à l'ambiance dans des bars, dans des boîtes de nuit, il faut que tu dises non jusqu'à la fin.
Alléluia. Néhémie a demandé au roi pour partir. Et sur son chemin, il a rencontré des problèmes. Mais Dieu avait déjà ouvert ses yeux. C'est ainsi qu'il est resté sur la voie intègre. Et il a remporté. Parce qu'il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Alléluia. Fais pareil, tu vivras. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Amen. Je suis là, dans votre émission, Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ, et j'annonce Christ. Mon nom,